Le journal. Heures passées de 2 minutes dans les studios de Radio Gabon, le sommaire de votre principale édition d'information. Lucie Milebo-Aubusson reconduite ce lundi à la tête de la première chambre du Parlement, c'est là, à l'issue du vote des 67 sénateurs de cette institution. Allez-vous boycotter le réseau social? C'est le thème de la célébration hier de la journée mondiale sans Facebook. Pour cette journée, il est demandé aux utilisateurs de s'en servir modérément. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, on parlera dans ce journal de la main basse sur les fonds de la Chambre haute du Parlement. Ce sera donc l'affaire de Roland Sylvani en thème. Ce sont là les grandes lignes de ce journal, les détails juste après la transition. Lundi 1er mars 2021, il est présentement 13h passées de 3 minutes à Ongia dans le département de la Léconie de Kori. Même heure à Léconie dans le département des Plateaux. Nous sommes là présentement dans la province du Haut-Ogooué. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Je suis Guy David Mbumba, m'accompagne dans ce journal Ida Onyami. Bonjour Ida. Bonjour Guy David. Ouvrons ce journal par cette réélection de la présidente sortante du Sénat, Lucie Milebo-Aubusson, qui a été donc réélue, reconduite ce lundi à la tête de cette institution. C'est là, à l'issue du vote de 67 sénateurs que compose le Sénat pour cette cinquième législature. Retrouvons au palais du Sénat notre envoyé spécial Raymond Savou pour des précisions. Guy David Mbumba, oui, il faut dire que c'est la fin du suspense du côté du palais Omar Bongo, siège du Sénat. Le docteur Lucie Milebo-Aubusson, épouse Boussou, vient d'être portée à nouveau à la tête de la haute chambre du Parlement. Très émue et très honorée que le président de la République m'ait accordé à nouveau sa confiance et je voudrais, devant le peuple gabonais, lui exprimer ma profonde gratitude pour tout le soutien qu'il m'a toujours apporté et pour cette confiance renouvelée. Et merci à tous les collègues qui m'ont accordé leur voix. Cette élection donne les résultats suivants. Inscrits 67, votants 65, votants pour 65, votants contre 0, aucune abstention, soit un pourcentage de 100%. Il est à noter que l'élection des membres du bureau de la 5e législature se poursuit en ce moment dans le strict respect des mesures barrières. Depuis le palais du Sénat, Raymond Savou. Merci Raymond Savou. Et justement, Lucie Milebo-Aubusson vient d'être réélue à la tête du Sénat. Pour parler de cette réélection, nous sommes avec vous, Pierre-Désiré Mvelena. D'abord, bonjour. Bonjour Ida. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver l'élection de cette dame à la présidence de la haute chambre du Parlement? Écoutez Ida, c'était quasi certain que la présidente sortante du Sénat soit réélue. Elle qui était la seule candidate à ce scrutin. De plus, étant membre du PDG, parti majoritaire au Sénat, il aurait été étonnant qu'elle ne puisse pas l'emporter. Il faut également dire que la nouvelle présidente du Sénat est créditée d'une grande expérience en matière de gestion des hommes et des affaires. Il vous souviendra qu'après la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle en 2018, c'est à elle qu'est revenue la lourde tâche de gérer les affaires courantes et son institution a dû effectuer le travail parlementaire toute seule. Lucie Milebo-Aubusson, même si c'est peu probable, aurait également bénéficié de sa qualité de femme dans cette élection, puisque cette décennie a été décrétée décennie de la femme par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Réputée être très calme et rigoureuse, Ida, la nouvelle présidente devrait pouvoir conduire à bien le Sénat sur les rails lors de cette cinquième législature. Merci Pierre-Désiré pour toutes ces précisions. De leur côté, les députés renouent tout à l'heure lorsqu'il sera 16h30 avec le chemin de l'hémicycle de leur palais provisoire. C'est à la faveur de la rentrée parlementaire. Cette cérémonie sera présidée par le président de l'institution Faustin Boukoubi en présence du numéro 1 du gouvernement Rose Christiane Osuka-Raponda. Elle marquera l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution qui institue une session unique par an. Le point avec Arnaud Ondo et Ngozogo.
La session unique qui rentre en vigueur à partir de ce lundi 1er mars remplace le régime de deux sessions annuelles de trois mois qui prévalait depuis 1991 dans notre pays. Elle permettra, selon le politologue Télésphore Rondo, de renforcer le poids des assemblées parlementaires au sein des institutions en assurant de manière continue le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Dès ce 1er mars, les élus du peuple vont donc désormais siéger pendant 9 mois avant de retrouver leurs bases politiques respectives dans le cadre des comptes rendus des activités menées à la chambre basse du Parlement. La logique obéit aux articles 41 et 48 nouveaux de la nouvelle loi fondamentale adoptée en congrès un jour avant la clôture de la deuxième session parlementaire de l'année 2020 et au cours de laquelle les honorables députés avaient adopté le projet de loi de finances de notre pays. Ce 1er mars sera donc un jour historique dans l'histoire politique de notre pays en ce qu'il marque le passage de l'ancien régime de deux sessions parlementaires par an au régime d'une session unique. Il faut noter que le retour des élus du peuple à l'Assemblée nationale s'effectue alors que le pays fait face à une seconde vague de la pandémie du coronavirus. Seconde vague qui a conduit le gouvernement à durcir de nouveau les mesures de lutte contre celle-ci. Ce contexte n'échappera donc pas aux élus du peuple qui ne manqueront pas par le biais de leur président d'interpeller le gouvernement sur la question, compte tenu du mécontentement d'une partie du peuple qui conteste les dites mesures. C'est donc le cas idem du député du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, Alexandre Awasi. Il a été donc joint au téléphone par Nick Jocelyn Mfouba. Dans un contexte de crise sanitaire, j'avoue que l'exercice était un peu plus difficile et moins chaleureux, ce qui nous a imposé une multitude de rencontres pour renseigner le maximum de personnes dans le respect strict des mesures barrières. D'ailleurs, à ce titre, l'actualité récente de notre pays a essentiellement été marquée par la crise sanitaire qui nous les impose et des restrictions gouvernementales ont été prises pour lutter contre. Ici, de nombreux jeunes ont protesté contre certaines d'entre elles et se sont acharnés maladroitement sur les édifices publics, quelques magasins, les étalages, le marché et j'en passe. Chose inadmissible à mon sens, parce que rien ne nous donne le droit de détruire ce pourquoi nous nous battons chaque jour au motif d'une frustration, fût-elle légitime. Nous devons préserver nos acquis et même les consolider plutôt que de les détruire. Je fais ici référence à la route, par exemple, longtemps réclamée par tous et aujourd'hui, après moins de 3 mois de sa livraison, détruite par les nombreux feux allumés durant ces manifestations. C'est vraiment dommage, surtout quand on sait qu'ailleurs, il était question d'un mouvement pacifique. Nous avons donc là aussi sensibilisé sur la nécessité de préserver ces acquis, mais surtout, les avions invités au respect des mesures gouvernementales et des gestes barrières afin de faire reculer cette pandémie, même si j'entends bien les frustrations de nos populations. Ça a été aussi l'occasion pour nous de visiter de nombreux chantiers. Je fais ici référence essentiellement à la nouvelle usine de pavés et la construction du nouveau quartier qui abritera près de 3000 personnes suite au déplacement des populations qui se trouvaient sur un site minier. Cumulativement, nous avons eu des séances de travail avec la Comilog, dont je salue d'ailleurs les responsables et l'effort pour leur engagement sociétal très prononcé. Il était essentiellement question là de discuter de projets pluriels établis sous un plan triennal 2021-2023, lui-même encadré par un addendum à la convention minière signée le 2 octobre dernier entre l'entreprise et le gouvernement, d'ailleurs en présence de Madame le Premier ministre, un ensemble de projets qui concourront au développement de l'économie locale sur l'ensemble du département et partant contribueront inéluctablement à l'amélioration des conditions de vie des populations, ce qui pour nous suscite un énorme engouement en plus d'être très enthousiaste. Toujours en politique, le président du Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, a dirigé ce week-end la première rencontre des cadres de son parti. C'était à son nouveau siège de Libreville. La rencontre avait pour objectif la redynamisation et la reconquête des nouveaux espaces en vue des élections à venir. Le compte-rendu de Jeanne Somba. Après avoir inauguré il y a quelques jours son nouveau siège de Libreville, le président du PDS, Maître Séraphin Ndao, vient de présider la première réunion stratégique de son parti, le PDS. Il s'agissait, comme il avait annoncé lors de cette inauguration, de jeter les bases de la reconquête de nouveaux espaces. Au terme de cette rencontre, le secrétaire général, Louis Ngongi, fait la synthèse des travaux. Nous avons donc un travail de préparation, d'implantation,
de nos structures sur le terrain et voir exactement également comment nous pouvons coller cette structuration avec les nouvelles activités du parti et avec également la vision du parti pour les prochaines élections de 2023. À l'approche des échéances électorales de 2023, le parti des maîtres Séraphin Dao attend plus se déployer sur le terrain pour avoir beaucoup d'élus au local et aux législatives. Lui, Ingongi. Nous pensons d'abord que le premier pouvoir à acquérir, c'est d'abord les collectivités locales, l'Assemblée nationale et le Sénat. Avant de voir la présidentielle, dans cette recherche d'implantation, nous travaillerons également avec les partis qui nous solliciteront ou ceux que nous solliciterons pour que nous puissions aller ensemble au cours de ces élections. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale est présent sur l'ensemble du territoire national. Il compte plusieurs élus locaux dans l'Ogoué maritime, l'Essuyère et l'Angouni. Ces acquises, il souhaite les consolider en conquérant d'autres espaces au terme des élections de 2023. Oui. Pour la suite de ce journal, on parle de la célébration hier de la Journée mondiale sans Facebook. Au départ élaboré pour aplanir les distances, ce réseau social est aujourd'hui facteur d'éloignement à cause de l'addiction amenant à la cyberdépendance. À l'occasion de cette journée, il est donc demandé à ses utilisateurs de s'en servir modérément. Issa Steve Mefan, reportage. Une journée ayant été proposée pour se passer de Facebook, un jour dans l'année, selon ses promoteurs, il s'agit de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, protester contre l'intrusion des publicités se faisant passer pour de l'information et rappeler à ce réseau qu'il n'a pas de valeur sans ses clients. Les promoteurs de cette journée sans Facebook insistent aussi sur la sécurisation nécessaire de l'outil, étant plutôt du genre perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d'informations. Pour exemple, un cabinet d'avocats a interrogé 200 de ses clients sur les diverses raisons les ayant amenés à divorcer, un tiers de ces derniers ayant fait allusion à l'utilisation par leur partenaire du réseau social Facebook a été l'un des principaux facteurs déclencheurs de la crise de couple, puis de la séparation. Un internaute appelé Fred va dire: cet outil de communication empêche de se parler à la maison, dans les couples et empêche aux gens de se rencontrer. Les accros sont plus intéressés par leur écran que par un véritable échange en chair et en os. Aux accros de Facebook, vous créez une société virtuelle. Revenez aux fondamentaux, permettez à la vraie vie de ne pas disparaître pour vous et pour votre entourage. Il ne s'agit pas de ne plus s'en servir, mais de s'en servir modérément. Se servir du réseau social Facebook modérément, les avis sont donc différents. La cyberdépendance gagne de plus en plus les utilisateurs. Cependant, les réseaux sociaux deviennent des plateformes de travail. C'est le constat fait par Issa Steve Mefan que nous retrouvons. La cyberindépendance, une autre addiction, s'étant ajoutée à nos habitudes. Se passer de son téléphone de nos jours est chose difficile à cause des réseaux sociaux. Wilfried Mouélé nous en parle. Je suis connecté comme tout le monde, c'est la mode. Je dirais que c'est pas normal, hein, parce que souvent même avec des amis, je peux avoir la visite à la maison, j'ai mon téléphone, surtout si on me trouve en train de surfer. Les amis pensent que je les ignore, mais je ne les ignore pas, simplement parce que je suis concentré à surfer. Parfois je suis en train de faire des recherches, ou parfois je peux tomber sur des publications qui m'intéressent. Est-ce que vous pouvez vous en passer justement? Non, m'en passer non. Pour Ghislain Bibalou, difficile à l'heure actuelle de s'en passer, il y a comme une accoutumance des réseaux sociaux, à telle enseigne que cela a des répercussions. Dans le quartier, il y a des choses qui se disent. On a envie d'aller consulter directement Facebook ou WhatsApp. Donc, c'est un peu difficile de se détacher de ce réseau social. Au départ, peut-être que ce n'était pas fait à ce degré de dépendance. Mais aujourd'hui, qu'on soit avec nos enfants, notre femme, notre famille, même à table, et je sais que ça frise les liens sociaux. Les bons côtés de l'utilisation du réseau social Facebook, il y en a. C'est actuellement un outil de travail. C'est du moins l'avis d'Arma Moutinga, chef de service technique à Gabon Télévision. Ben oui, il arrive qu'on se passe du téléphone, surtout quand on est
en milieu professionnel, on ne peut pas en même temps s'occuper de Facebook ou être sur les réseaux sociaux et exécuter les tâches que l'on fait au quotidien si ça n'a pas un rapport avec les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, pour la facilité des échanges, qu'on soit de temps en temps amené à jeter un coup d'œil soit sur WhatsApp, parce qu'on a des groupes de travail, par exemple, pour ne pas être en déphasage par rapport à certaines informations professionnelles. Il peut arriver, vous êtes là assis en famille et puis il y a peut-être un message urgent qui arrive dans une plateforme professionnelle. Si vous êtes directement concerné, vous êtes obligé de répondre. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Pour Stéphane Bott, il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Vraiment difficile, mais il suffit de savoir choisir à quel moment on peut aller dans les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on va y chercher. L'addiction au réseau social Facebook en particulier est une mauvaise habitude qui s'ajoute à celle que l'on possède déjà. L'outil informatique est un atout dont l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes ogivins, mais est également un danger pour ces derniers, car la notion de fausse nouvelle les conduit parfois à réaliser plusieurs erreurs. De Makoku, nous avons la correspondance de Cécilia Akuma-Mendom. La jeunesse ogivine accorde une place de choix aux médias, chose qui nous amène à nous inquiéter sur l'impact de l'outil informatique face à leur devenir. Un constat amer et alarmant démontre que plusieurs jeunes n'étudient plus leurs leçons comme il y a quelques années par le passé. À qui incombe cet état de fait? Est-ce aux parents ou aux élèves lorsqu'on sait que plusieurs parents contribuent à l'amélioration des conditions d'apprentissage de leur progéniture en leur octroyant des téléphones portables pour faciliter leurs recherches, entraînant ainsi un désintéressement des élèves au centre d'animation culturelle, moins encore bûcher une leçon. Pour moi, je pense que ce phénomène existe parce que, vu d'abord la vente des téléphones, n'est pas convenable aux enfants de moins de 18 ans. Depuis qu'il y a déjà ce qu'on appelle le troc, le business sur le marché. Donc du coup, même si tu n'as pas 18 ans, tu as moins de 18 ans, il suffit seulement d'avoir quelques sous pour te procurer un téléphone. Et ce téléphone va te permettre de prendre des photos au niveau des leçons qu'on vous donne. Et pourtant, avant, les gens utilisaient d'abord les dictionnaires, les leçons ou pas, les gens partaient au claque pour s'enrichir. Mais de nos jours, on utilise déjà les téléphones. Bon. Ce sont des outils d'abord utiles. Exemple, le téléphone nous sert à communiquer. La télévision nous sert à nous divertir et aussi à nous informer. Mais maintenant, c'est nous, parents, qui devons encadrer nos enfants afin de pouvoir leur donner plus ou moins... pas la facilité, mais leur encadrer dans le sens où ces choses-là ne leur servent pas seulement à la dépravation, mais à leur épanouissement dans leur scolarité, dans tout ce qui va avec. Chose qui devrait amener les responsables établissements à doubler de vigilance et de rigueur afin d'éviter le désintéressement des élèves à étudier les leçons au profit d'une aide. De Makoku, Cécilia Akuma-Mendom pour Radio Gabon, la référence. Merci à vous, Cécilia Akuma-Mendom. Sans transition, allons-y donc à la page étrangère avec vous, Rolande Sylvanie Andem. Bonjour, Rolande. Bonjour, David. Et nous la démarrons par la République démocratique du Congo, où l'on dénonce la main basse sur les fonds de la Chambre haute du Parlement. L'inspection générale des finances est en passe de boucler son enquête sur la gestion des deux chambres du Parlement, au Sénat surtout. Depuis l'arrivée au pouvoir du président congolais Félix Tshisekedi, les scandales se multiplient. Est notamment pointé du doigt le président sortant Alexis Thambwe Mwamba, un proche de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, alors que demain devait être élu et investi le nouveau bureau définitif du Sénat. En Côte d'Ivoire, les législatives sont aux airs de match retour dans la commune du Plateau. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 255 députés dans plus de 200 sièges. Sur ces 200 sièges vient 36 candidats et qui compte plusieurs sièges également, mais la plupart, 169, n'ont qu'un seul siège. C'est le cas de la commune du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan, petit en nombre d'électeurs inscrits. La commune du Plateau abrite tous les lieux du pouvoir ou presque Abidjan. Bouclons cette page étrangère, Sylvanie, par cette grève des enseignants sénégalais qui s'est soldée par des arrestations. Des syndicats d'enseignants viennent de décider d'aller en grève aujourd'hui au Sénégal suite aux arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition cité dans une affaire de viol qui défrait la chronique depuis plus de 3 semaines. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Merci à vous, Sylvanie Andin, pour toutes ces nouvelles.
page des sports à présent et c'est avec vous Chivarol Mekwinkulu. Bonjour. Bonjour Ida. Nous parlons d'abord de boxe. La Ligue provinciale de boxe du Haut-Togo a un nouveau président. Il s'agit de Clément Tamounou Mounanga. Il a été élu à Franceville où s'est tenue l'Assemblée générale élective de la dite Ligue. Les détails avec notre correspondant André Delica. Deux candidats étaient en lice, le président sortant Nganja Philippe et son challengeur nommé Tsamounou Mounanga Clément. Après dépouillement, Tsamounou Mounanga Clément a été déclaré vainqueur de l'élection avec 3 voix sur 5 votants. Il devient ainsi le nouveau président de la Ligue provinciale de boxe du Haut-Togo. Mon slogan, c'est une nouvelle vision de boxe dans la province du Haut-Togo. Mes objectifs, organiser plusieurs galas dans la province, le renouvellement des clubs déjà créés qui n'existent plus, créer les clubs dans plusieurs départements et communes de la province, le recyclage des entraîneurs et juges-arbitres, formation d'autres entraîneurs, formation des dirigeants des clubs, que certains dirigeants aient une connaissance sur la boxe et comment diriger la boxe, pour que le Haut-Ogoué puisse être revalorisé dans les championnats partout ailleurs, que nos boxeurs puissent brandir les victoires de la province. Très fair play, le perdant et ancien président a souhaité bon vent à son successeur et s'est dit prêt à lui faire bénéficier de son expérience dans la gestion de l'instance fêtière de la boxe provinciale. Franceville, André Delica, Radio Gabon. La Ligue de boxe de l'Ogoué Maritime a également procédé ce dimanche à l'élection de son président, suivant ce reportage de Jean Paulin à l'Ogoué. Les travaux ont été dirigés par le directeur provincial Camille Lingunga, en présence du représentant de la Fédération Gabonaise de Boxe, Abraham Mombo Mangama. Candidat unique à ce poste, le président sortant, l'ancien international gabonais de boxe, Joseph Idan Osima, conserve ainsi son fauteuil en réalisant un score de 11 voix sur 12. Sitôt après son installation par le directeur des sports, le président Joseph Idan Osima a retracé les grandes lignes de son programme. En 2020, on n'a pas pu travailler parce que le corona est venu tout bouleverser. Notre projet de société, c'était de vulgariser la boxe, de faire en sorte que créer les clubs et multiplier les compétitions, faire en sorte que la boxe soit vulgarisée dans toute la province. Pour l'émissaire de la Fega Box, Abraham Mombo Mangama, cette élection présente beaucoup de choses. Quand j'ai écouté le plan d'action qu'ils ont à faire et le plan d'action de l'année dernière, c'est un plaisir, donc pour moi je lui souhaite une très bonne continuité. Nous espérons que cet ambitieux programme sera exécuté à très bon escient, car c'est au pied du mur qu'on juge bien le maçon. Radio Gabon à Port-Gentil, Jean-Paulin Alogo. Après la boxe, on parle football avec la CAN des moins de 20 ans. Les demi-finales de cette compétition se disputent ce lundi 1er mars au stade olympique de Nouakchott. La première rencontre va opposer le Ghana à la Gambie. Les Gambiens vont affronter une équipe ghanéenne bien plus expérimentée et plus habituée à cette compétition qu'ils ont d'ailleurs gagnée à 3 reprises. Ils sont favoris sur le papier, mais sur le terrain, ils vont devoir batailler dur. L'autre demi-finale verra l'Ouganda défier la Tunisie. Et c'est l'arbitre gabonais Pierre-Ghislain Hatcho qui a été désigné par la Confédération africaine de football pour diriger ce match. Hatcho sera assisté du Malien Modibo Samake et du Béninois Eric Aimavo. Le quatrième arbitre sera Sénégalais Albert Diouf. Le commissaire du match est Somalien Youssouf Ahmed. Chivarol, nous terminons avec la lutte sénégalaise. La saison de la lutte reprend au Sénégal ce 1er mars après presque un an d'arrêt dû à la pandémie de coronavirus. Tous les combats seront disputés à huis clos. Il faut éviter tout rassemblement afin de couper la chaîne de transmission de la COVID-19. Merci à vous, Chivarol Mekwi, pour toutes ces nouvelles sportives. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette session d'information. Mais avant, le rappel des titres. Lucie Milebou Aubusson, reconduite ce lundi à la tête de la première chambre du Parlement. C'est là, à l'issue du vote des 67 sénateurs de cette institution. Allez-vous boycotter le réseau social? C'est le thème de la célébration hier de la journée mondiale sans Facebook. Pour cette journée, il est demandé aux utilisateurs de s'en servir modérément. Hors de nos frontières, République démocratique du Congo, on a parlé de la main basse sur les fonds de la chambre haute du Parlement.
réalisé ce journal, Lauriane Mézan, Fride Tanguy Boumaga était à la partie technique. Merci à vous pour votre attention. Merci également à Pierre-Désiré Mvelenam, à Roland Sidivani Andem et puis Chivarol Mekwi Nkoulou pour leur collaboration rédactionnelle. Je suis Dida Fingumba, j'étais accompagné de Ida Onyami. À demain, même heure, même fréquence.